Salut tout le monde, c'est le gamer 48 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et peut-être la dernière de ma chaîne pour le moment. Donc je ferai souvent une vidéo, excusez-moi, mais à cause de mes examens ils sont vraiment pas terribles et mon père va sûrement m'engueuler. Donc là ça va être présentation de mes garages, enfin de mon garage de luxe, après enfin de voitures sportives et de luxe. Donc c'est parti, hein. Je voulais juste dire que bah, dimanche je pars en vacances. Donc jusque ce temps-là, je ne ferai plus de vidéos. Et vu que je serai punie, bah, à mon avis, dans 2 mois, je referai peut-être une vidéo. Je suis vraiment désolée, mais il faudra voir avec mon père. Donc on va commencer par ce côté. Donc la Zentorno, comme dirait la salle. Sauf que je ne fais pas du tout comme lui. Donc couleur avec du nacré, normal. Donc dites-moi laquelle vous préférez, hein. Moi c'est la Zentorno, qui est pas mal, hein. C'est pas ma première voiture, ben, c'est justement ça, là, on va direct y aller, oui. Si vous dites qu'il y en a deux, c'est parce que je l'ai dupliqué grâce à un glitch, parce que j'ai que 29 000, si vous ne voyez pas, j'ai que 29 000, et voilà. Donc, regardez cette belle Turismo R. Exactement la même là. La ADR qui coûte 1 million et que j'ai eu gratuite à part pour la tuner. Que j'ai usé 60 000 pour la tuner. Enfin, j'avais quand même de l'argent. Hein. Donc voilà la ADR qui est vraiment belle dans ce style. Donc on va de suite changer. Alors là, ce véhicule, Enus Wensdor. Franchement, ce véhicule est super beau. Perso, moi je le trouve mais magnifique. C'est, je sais pas vous les gars, mais moi je trouve qu'il est magnifique. Bon, allez, on va changer de véhicule. La Grotichetta. Alors ce véhicule là, je savais même pas qu'il existait. Enfin, en tout cas il est stylé, mais c'est pas un véhicule que je prendrai tout le temps. La TVET qui coûte 2 millions. Et que j'ai eu gratos, à part pour la tunée, où j'ai usé quand même 100 000 dollars. Donc, qui fait un super beau bruit, hein, au départ, je pense. Attends, je me tais. Ouais, non, en fait, pas du tout. Hop, ce son, on n'a rien entendu, donc oubliez ça. La TVET qui est magnifique, juste magnifique. La Osiris, qui a une couleur que j'adore. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez aussi. Celle-là, c'est la Osiris, c'est un de mes véhicules le plus beau dans les garages. Alors, celui-là aussi, la couleur, on drop une couleur secrète quand tu avances comme ça, elle est vraiment magnifique. Donc, ce véhicule, il n'y a rien à dire là. Tu sais, la Entity. Ouais, donc, dites juste si vous l'aimez, vous mettez Entity hein, dans les commentaires. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la Entity. Et voilà, bah c'est déjà terminé, hein. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle voiture vous préférez dans tout cela. Donc la Zentorno, la Adder, la Enus, ou bah, marquez juste Enus. La Grotti, vous marquez juste ça. La Tevat, la Osiris, la Entity, c'est ? Ouais. Donc vous marquez la Entity et Turismo R. Donc si cette vidéo t'a plu, partage-la, like-la parce que c'est sûrement la vidéo pendant ces temps-ci. Et moi je te dis abonne-toi et ciao ciao. Peace.